Alors, ce malaventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, un petit coup qui pique sur les Jeux Olympiques. Bon, parmi les athlètes hein, qui dorment dehors, bien sûr, parce que il n'y a pas la clim, hein, donc ils ont un peu trop chaud, le lit est trop dur, donc autant dormir dans l'herbe. Oui, hein, c'est beaucoup mieux sur un banc, dans un beaucoup plus agréable, hein, surtout que toute la zone est fermée, donc on a privatisé Paris, hein, c'est juste pour nous et pas pour les autres. Donc, voilà, quoi. Hein. Oui, un petit coup, hein. Du coup, je viens de tomber sur une publication. Ah bah ouais, Lola Zen, elle était pas propre. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire. J'en peux plus et tu vas voir, à partir du 11 août, elle sera pas propre du tout, elle sera jamais plus propre. C'est vraiment catastrophique. Il y a des pays, alors si vous voulez comment ça se passe en Russie, je sais qu'ils se foutent de la gueule largement des choses à la pique. Il y a les Russes aussi, alors ils s'en foutent. Eux, ils en mettent une tartine et puis ils y vont, ils font des vidéos, ils font des clips, ils font tout ce que tu veux. Après on a aussi beaucoup de pays qui ne vont pas retransmettre la cérémonie de fermeture. Je pense qu'ils ne veulent pas prendre le risque, c'est trop dangereux. Je crois que c'est, je sais plus quel pays c'était, c'est la Slovaquie, je crois qu'il veut plus transmettre, enfin ce qu'il avait dit le président slovaque, c'était quand même assez intéressant. Voilà, alors je suis pas là pour parler de ça, je suis parlé, pour une fois, on va parler de petits updates, pas de grep, mais des petits trucs sympas pour votre skatecrawler. Voilà, skatecrawler, alors je vais les intégrer ici, alors je me décale comme ça, j'ai... Tu vois, c'est une technologie, tu vois, tu as la place de les intégrer là, les photos. Tu comprends? Tu comprends? C'est pour ça, si je suis au milieu, je peux plus les intégrer, j'ai plus la place. Là, tu as la place de la voir, tu vois, la photo. Hein? T'as pas tout compris, moi non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, j'avais un client qui cherchait des pneus pour mettre sur son CC01. Alors, CC01, CC02, alors le problème, c'est la taille du pneu. La taille du pneu est autour de 90, je crois, ou 93. C'est tout petit, parce que si tu prends du classe 1, tu es autour de 103. 103 et 93, c'est encore plus petit. Donc 103, ça passe pas là-dessus, il faut du 93. Tu vas aller trouver où tes pneus, et si tu veux pas mettre cher. Alors bien sûr, tu as les marques, ils sont super chers, où tu vas déplancher. Mais là, je te propose un truc pas trop cher, avec un truc plutôt sympa, c'est d'aller chez Obitech. Tu vas sur les pneus montés sur jantes en plastique du CR12. Et tu auras des pneus beaucoup, beaucoup plus performants pour mettre sur ton CC01. La taille correspond, c'est 92 ou 93, donc on est en pile poil dedans. Voilà, si tu ne veux pas dépenser une fortune, c'est un très, très bon plan. Alors, normalement, ça s'est affiché là. Hein. Enfin, quand je tourne la vidéo, ce n'est pas encore affiché. J'arrive pas. Je monte la vidéo pour que ça marche. Donc là, j'ai l'air con à présenter ça, alors que bah, ça devrait être là, quoi. Voilà, alors je vais vous présenter des petites updates de Toro, qui sont des petits trucs skate qui sont sympas. T'as un espèce de, je sais pas, tapis de tente, t'as des sauts. Alors c'est pas donné, hein, j'ai pas les prix exacts, mais ils sont pas donné. Mais t'as des sauts, t'as qu'est-ce que j'ai vu encore, des petits sacs de sable, ce genre de trucs pour équiper ton scale, et ça peut être super mignon de faire ça. Après, moi, je suis modéliste, alors moi, c'est pas trop mon truc. Enfin, dans l'idée où moi, je me les fais tout seul, quoi. Les sacs de sable, je prends un sac, je mets du sable dedans, quoi. Qu'est-ce que je me casse? Je t'essaye de fortune. Mais bon, ça fait toile de jute, c'est clair, c'est beaucoup plus réaliste que ce que je vais faire. Moi, les boîtes en bois, il y a une boîte en bois aussi. Enfin, bon, il y a quelques trucs qui sont très, très mignons, qui sont très, très bien à mettre sur mon scale. Voilà, c'est tout. C'était vraiment une vidéo assez courte pour présenter ces petites choses intéressantes à mettre sur vos petits scales. Il faudrait que je fasse des trucs upgrade scale ou des trucs comme ça qui peuvent être peut-être mettre le format plus souvent. Si ça vous plaît, dites-le. Je ferai plus souvent ce format-là. Tiens, ça peut être intéressant de développer ce genre de trucs. Voilà, en tout cas, ciao, ciao. À bientôt sur la planète Saturnus.